Depuis deux semaines, les supporters du TFC attendent l'annonce du retour d'Alain Casanova au poste d'entraîneur, 3 ans après son départ. Cependant, ils ont beau user la touche F5 de leur clavier, le site du récent barragiste n'a toujours rien officialisé, pas même le départ de Michael Debèze, en poste depuis le 22 janvier. Et ce qui semblait certain le 30 mai l'est un peu moins aujourd'hui. J'ai été contacté par le TFC, c'est vrai, mais rien n'est fait, explique Alain Casanova, que 20 minutes a réussi à joindre ce mercredi. En déplacement à l'étranger, l'ancien technicien lensois, âgé de 56 ans, ne souhaite pas s'exprimer davantage sur un sujet brûlant. Je n'ai pas signé, ajoute-t-il simplement. Toulouse, changement de coach, autocritique. Le TFC en pleine crise existentielle avant un grand chamboulement https://cht.co/gv2kncfms9 via @20minutepic.twitter.com/ggpj6m6c, 20 minutes Toulouse, @20minutes et Toul, mai 29, 2018. Les négociations seraient plus compliquées que prévues entre les deux parties. Pour reprendre un poste qu'il a occupé de mai 2008 à mars 2015, le franco-espagnol souhaiterait venir avec son staff, indique ainsi la dépêche du Midi. Ce qui ne ravirait pas forcément les dirigeants des Violets, un mercato à l'arrêt à 2 semaines de la reprise de l'entraînement, le TFC se trouve donc dans le flou, même si Casanova reste le favori pour endosser le costume d'entraîneur. Pas pratique pour bâtir un effectif qui doit être sérieusement modifié, après une saison très pénible bouclée à la 18e place de Ligue 1.